Frubil. Qui suis-je pour qu'il me fasse un si grand don? Qui suis-je pour qu'il m'associe à son œuvre d'amour? Pour qu'il me confie un si grand trésor? Frères et sœurs, avant de faire les remerciements d'usage, permettez-moi de vous demander de prier sans cesse pour moi. Priez afin que tel un serviteur que le maître à son retour trouve à la tâche, je puisse mériter ne serait-ce qu'un tout petit peu sa confiance, encore si elle peut se mériter. Comme vous pouvez le voir, le Seigneur s'est saisi du petit être que je suis pour servir la grandeur de son nom. Et je voudrais le chanter et le louer pour ce don merveilleux que mon cœur a jamais Que mon cœur jamais n'oublie tes œuvres, Seigneur, et que toute ma vie te chante. Je voudrais me tourner aussi vers vous, cher Père évêque, pour rendre grâce à Dieu pour les fruits de votre ministère épiscopal parmi nous. C'est par vous que j'ai reçu le sacrement de l'ordre, et il convient de vous remercier pour votre disponibilité, pour votre confiance et pour votre sollicitude. Merci Père. Qu'il me soit permis d'évoquer et de saluer également le souvenir de votre prédécesseur qui m'a accueilli dans ce beau diocèse de Dijon, qui m'a institué acolyte et ordonné diacre. Que le Seigneur lui donne une retraite calme et paisible. Merci à vous tous, chers aînés prêtres. Merci de votre accueil dans le presbytérium de notre diocèse. Merci pour vos encouragements. Je voudrais dire un merci particulier à quelques-uns parmi vous qui ont reçu et accueilli la mission de guider mes pas vers l'autel du Seigneur. Merci Père Dominique Garnier pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour ce que vous faites pour les séminaristes de notre diocèse. Merci Père Jean Lamblot pour m'avoir ouvert les portes de votre presbytère il y a quelques années et accueilli en insertion à la paroisse du Sacré-Cœur. Merci au Père Raphaël Clément et à la communauté des Pères de l'Oratoire de Saint-Philippe-Néry pour ces deux années passées avec vous pour l'affermissement de ma vocation et ma préparation au ministère. Merci pour le témoignage de fraternité que vous avez imprimé dans mon cœur. Merci à tous les prêtres du diocèse, à vous tous qui m'avez soutenu par vos prières, par vos paroles d'encouragement et vos conseils. Votre présence nombreuse cet après-midi est le témoignage de votre amitié. Soyez-en remerciés. Merci à tous mes formateurs de séminaire. Il y en a un parmi nous cet après-midi qui est venu en ami. Merci Père Apollinaire. Merci aux diacres, aux séminaristes, aux religieux et aux religieuses. Merci à ma maman Pierrette, à qui j'offre le bouquet spirituel des grâces de cette ordination sacerdotale en priant pour le repos de son âme. Merci à mon papa qui est parmi nous, à mes frères et sœurs, parents et amis qui sont venus du Bénin. Vous êtes 12 à avoir fait le long voyage depuis le Bénin pour assister à cette célébration. Je voudrais vous dire en langue fon, Donumi, Enachenumi, Ejemi. Merci à tous mes amis qui sont venus des cinq côtés de la France, de La Rochelle, de Tours, de Strasbourg, de Lyon,
de toute la région parisienne, de Valenciennes, de Troyes, de Grenoble, de la Normandie, mais aussi de Dijon, de l'aumônerie des étudiants, de la paroisse Saint-Paul-Saint-Jean-d'Arc et de tout le diocèse. Soyez bénis et remerciés, soyez comblés par le Seigneur. Je voudrais finir en remerciant notre service diocésain de liturgie et le cœur qui a animé cette célébration, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour préparer ce beau jour. Que cette célébration soit pour chacun et tous source de grâce et de bénédiction. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Alors avant de recevoir la bénédiction finale, il est de tradition d'annoncer les futures missions du nouveau prêtre qui vient d'être ordonné. Et donc, Judicaël, l'année prochaine, aura, c'est un homme solide, donc il aura trois missions qui sont d'inégale importance. La première, c'est une mission d'étude, parce qu'il n'a pas tout à fait fini ses études, il a encore quelques mémoires à boucler en philosophie et en théologie. Et donc ça, c'est la première mission qui lui est confiée et qu'il ne faut pas oublier. La deuxième, il sera vicaire à la paroisse de la Visitation dans l'Est, pardon, oui, je confonds l'Est et l'Ouest, mais je pensais bien à l'Est en disant l'Ouest. Voilà. Et la troisième, c'est de faire partie de l'équipe de l'aumônerie des étudiants, donc à la CCU. Voilà, donc bonne mission et bon travail pastoral l'année prochaine. À la fin de l'office, nous pourrons nous rendre sur le côté nord de la cathédrale, où il y aura un pot. Voilà, comme ça, un petit cours de géographie pour chacun. Alors, demandons au Seigneur de bénir Judicaël et de bénir notre assemblée, chacun de nous. Dieu est le Père et le Pasteur de son Église, qu'il vous soutienne toujours dans sa grâce, pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Qu'il fasse de vous, au milieu du monde, un serviteur et un témoin de son amour et de sa vérité, et un fidèle ministre de la réconciliation. Qu'il fasse de vous un vrai pasteur, chargé de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.